ben voilà, de retour avec le BAC 4000 et la batterie 72 volts. Oh, j'avais oublié comment ça marchait, putain. Ah ouais, putain, c'est tellement bon dans les singles, c'est incroyable. C'est une ressource, c'est tout le temps là en fait. Quel que soit ton régime, bam, ça prend. Donc je roule sur 9 modes maintenant et plus 5, comme sur ma vidéo explicative. Parce que c'est clairement avantageux sur les terrains gras, on a eu beaucoup de pluie cet été. Et c'était plus tranquille de pouvoir, trouver des instruments un peu plus fins entre deux modes. Parce que entre le mode 3 et le mode 5. C'était quand même assez brutaux les changements, donc le fait de pouvoir descendre un peu, affiner un petit peu plus les réglages m'a permis de plus m'y retrouver sur le très gras. Là maintenant aujourd'hui c'est plutôt sec, donc voilà que ça va être le plus intéressant, mais c'est pas mal. Finalement j'ai pas besoin d'être très très réactif dans mes changements de mode, donc si je fais quelques impulsions pour trouver le bon, c'est ça qui va me déranger plus que ça. Du coup je vais rester en 6 sur 9 pour le moment. On va se refaire la main doucement. Il est bien, il est propre. Les cyclistes sont passés. Ça a été un retenu. Ouais, si c'est toujours droit, c'est normal. Bon, il est clair que là, plus le temps passe,
plus je ressens le besoin de changer mes freins, ma fourche, mon amorto. C'est clair que j'atteins quand même un niveau de perte où la partie cycle elle est dépassée. Mais ça viendra. Prendre le temps, on va déjà se faire un peu plaisir. Et en même temps, ça me permet aussi de limiter mes ardeurs. Ouais, ça peut là-bas. Là, je suis en mode 5, en montée ça me manque un peu de watts, mode 6 c'est tout de suite un petit peu plus péchu. Bon, je me remets aussi d'un majeur cassé sur la main gauche, ça m'aide pas forcément. En mode total découverte, parfait. Ça peut être tout à fait sympa. Je sais à peu près dans quelle forêt je me situe, mais alors de là à dire où dans la forêt, pas évident. Là, s'il y a beaucoup de promeneurs ou pas. Méga nettoyé, donc ça peut être méga pratiqué.
Et effectivement, ça pue la merde. Alors, ça se figurait quoi. Alors, c'est la fin, je retombe sur quelque chose. Oula. Oula. Fleuri par ici. Ah, j'ai une petite trace de route VTT. C'est ici. Un peu mouillé. J'imagine ça devait être par là. Ah putain, on la descente. Alors où est-ce que je suis là? Du Hollenwald. Ah bah j'étais vraiment pas là où je pensais. Non, allez. On va continuer là-haut. Oh, des orties de ouf. Salope. Donc moi je veux aller dans la forêt qui est là-haut. Et donc bah, je vais y aller. Ok, donc je me retrouve là maintenant à peu près dans la forêt que je pense. On va voir si on retrouve notre chemin. Pas grave, hein. Putain, ça grimpe de fou.
là on va enchaîner avec avec du single pour rentrer. Passer par là, ça fait plaisir, c'est un petit coin que j'aime bien. Oh putain, on a failli se mettre dans la flaque. C'était chaud, elle était cachée dans les herbes hautes. Quand même toujours plus agile debout que assis. Sinon tu te retrouves vite pas du tout là où tu veux aller, pas du tout les chemins. Là aussi. Ah putain, ça fait tellement longtemps que j'avais pas roulé, ça fait du bien. Et voilà, allez, encore un peu de liaison, on arrive à la maison.